Madame est fuerte. Le secrétaire général des Nations Unies, le japonais Hayao Takahata, est attendu comme chaque année à la Maison Blanche pour cette célébration en sa qualité de représentant. Salsa dura, la que va ser la main fuerte, la que va ser la main de... Salsa dura. Sargent, tu me vires tous les fils de rap, tous, et tu passes au cachet derrière. Ah oui, pas de pitié pour des gens comme nous, qu'est-ce que tu veux. Juanito, tu me suis. Je passe à ce numéro. Je t'expliquerai. Tu veux garder ta place, tu bouges pas d'ici, hein? Ici? J'entends rien! Je... Pardon, je... Quoi? Michel! Michel! Voilà l'igloo, tout est aux normes. Le variateur descend à moins 26? Ah bah oui, oui, bien entendu, voilà. Moins 26. Voilà. Et maintenant, vous réchauffez avec un petit plateau précis 82 qui demande justement à prendre un peu l'air. Vous allez pas à quelle heure? Alors Juanito, ça te semble juste Salvador, hein? Allez au boulot, mon vieux. Oh, on va faire sa chochotte, l'esquimau. C'est vous qui m'avez planqué dans le frigo. Belle soie, peut-être. Allez, tu te frictionnes et puis tu me nettoies cette plonge. 5 minutes, le temps que je réchauffe et je recommence. Tu crois que t'es le seul à être fatigué? Tu veux pas bosser? Va voir ailleurs. Avec ta gueule d'arabe, t'as déjà eu la chance que je t'engage. Quoi? Avoue pas, latino, t'as tout de même une sacrée gueule, non? Vous ne connaissez rien de Salvador. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Foutre du Salvador. Bon, ça suffit. Tu ramasses tes affaires, j'ai besoin de toi. Et les papiers? Vous m'avez promis les papiers. Tu veux des papiers? Ben, en voilà des papiers. Sers-toi. Ça va? Mais qu'est-ce que tu fais? Anne, tu vas où?
Il y a quelqu'un ? Mademoiselle ? Ça va ? Ah non, 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 attendez! Ne tirez pas, s'il vous plaît! Stay quiet, and everything will be fine. Is that clear? On rentre en phase 2. Silence total. Il nous envoie quelqu'un. C'est le parapluie Panjabi. Chez nous, les grands-mères appellent ça un tompus. Au Punjab, les soldats, eux, l'appellent le parapluie qui chante. Quand ils l'enfoncent dans le fondement de leurs prisonniers. On n'est pas au Punjab ici. On est en Suisse. Qu'est-ce que vous en avez fait? De quoi? Qu'est-ce que vous voulez voler? À qui? Lieutenant.
aucune nouvelle officielle de la disparition du secrétaire général des Nations Unies, Hayao Takahata. Il devait quitter aujourd'hui sa résidence officielle de Genève pour le traditionnel voyage de fin d'année à Washington. Le plus haut responsable des Nations Unies ne s'est pas rendu au palais comme de coutume. Réfléchis. Konnichiwa, c'est Myriam, avec vous pour la leçon 43 du cours de japonais de Radio Japon. Le portable de Léo sonne. Il décroche et dit... Hi, moshimoshi. Oui, allô? À l'autre bout du fil, c'est une voix féminine. Léo-san, Aki desu. Léo, c'est Aki. Après des, Aki ajoute Kedo, qui veut dire mec, mais qui ici n'a pas de sens d'opposition. Un profil? Rien pour l'instant, mais on fait circuler sa photo. Nouveau commandant. Londres nous envoie ça. Un certain Youssef, possiblement affilié à cette cellule Casablanca. Un dormant qui a plongé dans le noir il y a 24 heures. C'est la seule photo qu'on ait de lui. C'est lui. Vous êtes vivante, alhamdoulilah, ya Rabbi. Eh bien, écoutez, j'ai rien fait, je suis pas un criminel, Allah. Ce japonais, je le connais même pas. Je m'appelle Saadi Hakimi, je suis plongeur au Flamingo. Appelez Michel, mon patron, il vous dira, ou bien appelez Gilbert, le réceptionniste, il vous dira, moi, je suis pas un criminel. Ce type-là, je l'avais croisé comme ça, par hasard, en plein forêt. Qu'est-ce que vous dites dans la forêt, monsieur Hakimi? Je me suis fait virer ce matin et j'allais en ville pour chercher de boulot. Dans la forêt? Le Flamingo, c'est au bon lieu. Moi, j'aime pas marcher au bord de l'autoroute. C'est tout. Pourquoi vous sentez le poisson, monsieur Hakimi? C'était ce matin. Michel m'avait mis dans le frigo. Michel vous a mis dans le frigo? Parce qu'il y avait les inspecteurs. Quels inspecteurs? Les inspecteurs de travail. Pourquoi vous sentez le poisson, Youssef? Je m'appelle Saadi Hakimi. Répondez à la question. J'ai mangé un steak de poisson. Moi, quand je suis nerveux, je mange. Et d'ailleurs, c'est tout ce qu'il y avait dans le frigo, le steak de poisson. Je connais pas ce monsieur. Quoi? Vous croyez que j'enquête sur les conditions de travail des clandestins? Je peux vous garder 48 heures sur cette chaise juste pour plaisir. Je vous conseille de pas me faire perdre mon temps! Écoutez, c'est très dur dans l'hôtellerie. Ça va, ça vient, on engage les employés au noir. Et quand Juanito s'est présenté, j'ai pas dit non. Qui est Juanito? Vous appelez Juanito. C'est plus facile pour trouver de boulot. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Il a piqué dans la caisse. Il voulait me verrer sans payer, moi, je prenais ce qu'il me doit. Mais il voulait pas travailler, il était même menaçant. Menaçant? J'avais les doigts congelés, lui, il m'a forcé de le mettre dans l'eau bouillante. Comment on peut faire confiance à un type qui pique dans la caisse? Il vous le fait une fois, pas après, il recommence. Mais vous savez, avec le temps, j'étais prêt à le régulariser. N'importe quoi. Silence! Vous pouvez partir. C'est vrai? Pas vous, lui. Taisez-vous. Ou Juanito, ou Kabi, Akabi, ou je ne sais pas quoi. Mais attention, hein! Semble, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que s'il rend l'argent, hein, moi j'oublie tout. Mais enfin, Juanito, mais pourquoi tu m'as pas demandé avant de piquer dans la caisse? Je leur ai prêté, moi, l'argent. Ah, Gilbert, dis-leur qui je suis. J'ai kidnappé personne et je suis pas un terroriste. Mais qui te prend pour un terroriste? Ils sont arabes, les terroristes. Shiitake, maguro, ikura, katamaki, daikon maki. Only your favorites. I'm not hungry. This is not a favor we're asking. Eat. So the outside world sees we treat you with respect. Also. There you go. It's good, huh?
donner un morceau de votre sandwich? Je dirai rien à personne. Tu te crois où, là? Tu crois que ça marche avec tout le monde, tes petites combines? J'y connais les petits bougnoules dans ton genre. Si ça tenait qu'à moi, je t'aurais laissé la honte à trouver ce matin, avec une balle juste là, contre lui. Hola, mamá. Sí. Pero no puedo hablar ahora mismo. ¿A qué hora? Je suis en intervention. No llego. Prendré un taxi. No, no puedo venir a buscarte al aeropuerto. ¿Cómo se dice malade, Rocky? Mamá, des churros, c'est pas un truc à donner à Rocky. C'est quand même un chien, nom de Dieu. Tu m'appelles de Vigo juste pour me parler des flatulences de Rocky? Pues basta, entonces. Buen viaje. Oh! Tu qu'on fait, Sam? Quoi? Bon appétit. Oui, là. Vous ne bougez plus d'ici. Mon commandant, j'ai un problème, c'est ma mère. Personne qui... ne rentre dans cette cellule jusqu'à mon retour. Du nouveau? Youssef est à l'aéroport. Je serai deux? Bah, je ne sais pas. On va le cueillir, puis on verra après. Un traitement. J'ai promis d'aller la chercher à l'aéroport. Combien de temps il vous faut? Une demi-heure. Je ne bougerai pas d'ici. De toute façon, on ne m'a pas invité. Je savais qu'on allait se revoir. J'ai tout de suite compris que je pouvais vous faire confiance. Vous allez me sortir de là, hein? Hein? Negai de Kanao. C'est très joli. C'est un proverbe japonais. Qui plie le cru, le papier. Mais... verra son vœu exaucé. Non, 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 non. Bon, eh bien, je vais devoir vous laisser maintenant. Vous êtes un vrai gentleman. Je manque qu'il y a encore des gens comme vous. Mon fils doit venir, mais je ne les vois pas. Bon, madame, j'ai été ravi de vous rencontrer. Je vais être obligée d'apprendre un taxi. On pourrait partager. Vous allez dans quelle direction? Ignacio, hijo, por fin. Rocky, y a Vitiella. Bon, eh bien, maintenant que je vois que vous êtes en famille, hein. Mais attendez. Ignacio, on peut déposer mes servos de son ambule, non? Non, 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 je... écoutez, je suis très... Mon fils, c'est un âge de la route. Ça y est. Chef, je crois qu'on l'a repéré. Les petits pancréas à côté de Rueda. Allez-y, les gars. Police! 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 Police!
maintenant, c'est des collègues. Des collègues, ouais, attendez. Règles à respecter. Convention de Genève. Vous savez où vous êtes. Il a avoué. Le 11 septembre aussi, c'était lui. Il nous a raconté n'importe quoi pour que ça cesse. Ne touchez plus au suspect. On va faire les choses à ma façon. Doucement. Doucement. C'est comme ça que vous traitez les Arabes. On perd notre temps. Pas sûr. Oh, pardon. Je peux vous aider? Sûrement. Vous avez l'air tellement... renseigné. Mais vous êtes pressé? Toujours dans ce métier. Je débute comme stagiaire et personne ne veut me dire ce qui se passe. Stagiaire, hein? Et vous voulez savoir quoi? Tout le monde s'agite depuis ce matin. On parle d'un attentat, d'une prise d'otage. On a coincé un arabe. Très dangereux. Je peux pas vous en dire plus pour l'instant. Vous avez participé à l'arrestation d'un terroriste? Pas moi, mon unité. Ça doit être tellement excitant. La pression, l'adrénaline. Oui, oui, c'est... Bismillahirrahmanirrahim. Qu'est-ce qu'ils foutent? Il récite une prière. Je t'ai dit de te taire, c'est pas à toi que je parle. C'est difficile à traduire parce que... Tu veux me rendre un service? Que je la boucle? Tu crois que tu me fais peur? Non vraiment, tu veux m'être utile? Ok. Ils m'ont torturé. Je crois qu'ils m'ont cassé une côte. T'as mal où? Sous le bras. Où? Non, oui. Non, non, à droite. Juste en dessous. Oui, là. Appuie. Appuie. Chut. Ah, je t'avais dit que je pouvais t'être utile. Ce sera soit une vie qui réjouira mes amis, soit une mort qui mettra l'ennemi en rage. روح طيبة عندها جوج طرق الموت والشراب capsule de digitaline. Moi je vous jure sur la tête de ma mère, j'ai rien fait. Il est foutu. Il m'a demandé de lui gratter le dos, je lui ai gratté le dos seulement. Déjouant un complot terroriste à Genève, la police suisse détiendrait un suspect au profil arabe. Aucune idée d'où vient la fuite. Hein? Pas pour l'instant. Je crois que j'ai quelque chose. Mon commandant, je suis désolé pour l'aéroport, ça se reproduira plus. C'est ma mère, elle est fragile en ce moment à cause de Pourquoi son diabète. Pourquoi vous êtes changé? Comment vous dites? Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Mon uniforme, mon commandant. Remettez tout ça au vestiaire. Vous êtes viré, vous m'entendez? Viré. Je vais plus vous voir. Après leur plan de soutien de... Elle m'avait dit qu'elle était de la maison. Foutez-moi le camp! C'est un amateur! Comment ils ont pu prendre le Cheikh? Je croyais que son visage n'était même pas connu du réseau. Ses pores s'infiltrent partout. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai mon idée. Les combattants de la cellule Casablanca échangeront leurs prisonniers contre une rançon de 20 millions de dollars et la libération de leurs frères combattants dans une heure exactement aux coordonnées 46.120 438 de latitude.
6.023342 de longitude. Si vous ne suivez pas les instructions, l'otage sera exécuté. Comment être sûr qu'ils ne le connaissent pas? Ces cellules sont étanches. Personne ne connaît personne pour ne pas pouvoir remonter les filières. Tout le monde sait cela. Ça ne marchera jamais. On ne va pas ressusciter l'autre de toute façon. Vous avez gagné, Hakimi. Qu'est-ce que j'ai gagné? On va vous rendre à vos frères. On n'a plus le choix. Mes frères? Quels frères? Ils veulent vous échanger contre Takahata. M'échanger-moi? Contre le secrétaire général de l'ONU? Dans une demi-heure, vous aurez réintégré la cellule Casablanca. Ah non, 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 là vous délirez, hein? Vous voulez que je passe pour un terroriste? Eh ben non, jamais de la vie. Je préfère encore rester ici, chez vous. Vous savez ce qui vous attend pour complicité de meurtre et d'enlèvement dans une entreprise terroriste? Vous ne reverrez jamais la lumière du jour. Mais j'ai rien fait, moi. Vous venez d'assassiner un suspect en cellule, sous l'œil des caméras. Je lui avais gratté le dos, je savais pas qu'il y avait cette saloperie de capsule. Personne ne sait où vous êtes. Pour le Maroc, vous avez officiellement disparu depuis 6 mois. Appelez ma mère, ma sœur à Casa. Ça fait à peine 3 jours que je l'avais appelée. Ils savent très très bien que je suis encore vivant. Il y a 3 jours, vous étiez encore en vie. Aujourd'hui, vous êtes un clandestin de plus, mort dans le détroit de Gibraltar. Un coup de fil et vous n'existez plus, Hakimi. C'est ça que vous voulez? Je n'aimerais pas me servir de mes bonnes relations dans votre beau pays pour annoncer une triste nouvelle à votre petite famille. Dans la situation où vous êtes, nous sommes les seules personnes capables de vous aider. Qu'est-ce que je gagnerai? Voilà. Vous commencez à raisonner. Faut que je réfléchisse. Mais réfléchissez vite! Parce que dans 38 minutes, si je ne leur donne pas Youssef, ils vont me livrer le japonais avec une balle dans la tête. Je peux pas réfléchir le ventre vide. Amenez à manger au suspect. Ah non, non, pas n'importe quoi. Un tagine en pois chiche. À l'agneau, bien sûr. Pour la villa Essaouira, j'aimerais bien un truc très grand comme ça, avec beaucoup de chambres pour les amis, la famille et tout, et la vue sur la mer. Vous voyez? La villa, vous la mettez au nom de ma mère. Comme ça, on sait jamais s'il m'arrive quelque chose. Hein? Tout va bien se passer. Hein? Vous parlez le moins possible, ça va les impressionner. Absolument. Et dès qu'on a Takahata, on vous récupère. Je vous le promets. J'ai votre parole. Oulal. Bismillah. Minibus gris, 150 mètres. Amélie, stand by. Envoyez notre frère avec l'argent. Au moindre mouvement suspect, tout s'arrête. Vous aurez un mort, nous aurons des héros. Et
pourquoi tu me mènes ici? C'est pas ma faute si on est ici, je te signale. Bien sûr, arrête, hein. Tu ne l'as pas fait exprès, quand même. Pour Dieu, tu m'as abandonné au volant de ta grosse crevette. Corvette, maman, corvette. Tu es sûr que je ne peux pas la réparer? T'as vu dans quel état elle est? Enfin, j'ai l'occasion de trouver quelque chose de plus normal, solide et confortable. Ah, mira. Quelque chose comme ça. Demain, Casablanca, avec le sourire. Ok, tout le monde. Dès qu'il lâche le japonais, on fait sauter le véhicule. Mais, et lui, on a promis de le récupérer. Lui? Un clandestin de plus mort dans le détroit de Gibraltar. Qui c'est ce type? C'est un problème. S'il continue d'approcher, je l'élimine. Personne descend personne. Roman, vous voyez ce type qui souffle derrière les voitures? Faut le stopper. Compris. N'ayez pas la main trop lourde. C'est un des nôtres. Toi, mon salaud, tu vas avoir la surprise de ta vie. Ça encore une fois et le sang va couler. Et allez-y, ton Dieu! Continuez d'avancer, il a continué! C'est sous contrôle. On va te remettre en route avec l'argent. Je vois rien. Ven aquí. Esto es una porquería. Vamos. Vamos. Venga. طيبة عندها زوج طرقان. روح طيبة عندها زوج طرقان. روح طيبة عندها زوج طرقان. الموت. الصلاة. الموت. والشرف. Ignacio, ¿dónde estás? Ya le guardé, Pipe. Dès qu'il lance le japonais, on fait sauter le véhicule. C'est qui celle-là? La souffle. Quoi encore? Roman, la bonne femme! Qu'est-ce que je fais? Je vise les jambes. C'est comme vous voulez. Sur le chien.
À vous regarder, ça n'a pas l'air si confortable que ça. Now that you are safe, you have to agree on the official version. You understand that telling the media you've been kidnapped would be a terrible shock for the world. It would certainly be a big shock for Switzerland. And for your wife, to learn about Amanda. Prenez-le! Oh, voilà! C'est un peu pas travaillé. Sorry. Nothing happened. Nothing happened. Hassan. On m'appelle aussi Chacal. Parce que je m'occupe mieux des morts que des vivants. Tabarakallah. Tabarakallah. Et lui, c'est Abdelrahmi, dit l'éprouvette de l'islam. Cher Youssef, c'est un immense honneur de te rencontrer. Un converti. هذا العربي هذا شويه شويه اسمح لي واش انت كترو قدر واش انت لازم لازم بار فرنسي si on peut parler français c'est mieux pour moi c'est quoi cet accent je viens de Trois-Rivières Canada au Québec Canada au Québec Canada au Québec Pareil. Québec. Oui. Allah Akbar. Tes faits d'armes sont connus partout. On dit que t'as été présenté au Hajj. Hajj? Cheikh Oussama. Ah, Cheikh Oussama. Oui, présenté, façon de parler, Hajj, il est très, très occupé. J'ai attendu ce jour-là avec impatience pour te poser une question. Vas-y, Harry. Moi, je veux savoir... Il est gaucher ou droitier? C'est quoi cette question? Non, parce que moi, je suis gaucher. Puis j'aimerais savoir si lui aussi... Il est gaucher. Et toi, Hassan, droitier ou gaucher? Droitier? Pour toi, elle est droitier. S'il faut frapper avec la main droite, il frappe avec la main droite. S'il faut piloter son avion avec la main gauche, il pilote son avion avec la main gauche. Et ni droite, ni gauche, la main guidée par Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dispenses sa sagesse. Oh, n'exagère pas. Ils ont par où les toilettes? Ils sont au fond à la droite. Sensei, moshiwaki arimasen. Okane wo kanarazu torikai shimasu. Sou onegaitai na. Ima no shigoto o tsukete, kono fumi wo bankai shitai nara, aitsura wo mizukete taishikan tsurete kinasai. 大使館。日本の大使館だ。スイスのバカ野郎が自分らで告訴するつもりだろうが、日本で裁判すべきだ。あいつ、こいつが逃してやる。でも先生、3人目は多分アメリカン系が。いや、俺が判断する。分かったな。はい、おっしゃる通りいたします。 C'est le choc.
va bien? Oui. Quand tu auras fini, j'aimerais que tu nous donnes la suite du plan. J'arrive. Hassan, fais-moi le résumé de la situation. En dehors de la mort de notre frère Khaled, abattu ce matin par les mécréants. Allahumma arhamhu ya arhamar rahimin. Amin ya rab. L'opération est un succès. La clé est revenue entre les mains des infidèles. Et bientôt, elle ouvrira les portes d'Dar al-Bayda. Maintenant que t'es avec nous, on va enfin pouvoir partir en Afghanistan. 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 Prions. Tu te déchausses pas pour la prière? En Afghanistan, dans les tunnels, on prie comme on peut et on se tait. Allahu Akbar. J'ai faim. On m'a rien donné à manger. Il reste pas grand-chose. Heureusement pour nous, le japonais avait de l'appétit. On pouvait pas mieux tomber. Mais je me suis donné aussi le daikon maki, surtout, c'était compliqué, ça. La cuisine, pardon, la cuisine. Ouais. Trouver du daikon frais, là, c'est pas... pas facile de le chercher. J'ai fait presque deux, j'ai fait 8 épiceries. Puis c'était back là, partout, il y a juste un... Tu sais, le petit potager, le bio. Allahu Akbar. Viens voir. C'est le soulagement dans l'affaire de la disparition du secrétaire général des Nations Unies. Une intoxication alimentaire liée à l'ingestion d'un fougou en serait à l'origine. Mal préparé, le fougou a tué des centaines, voire des milliers de gastronomes téméraires. Encore mieux. De quoi tu te plains? Hamid El Masri, dit Sheikh Youssef, membre de la tristement célèbre cellule Casablanca, serait mort en détention. La police n'a fait aucun commentaire sur les conditions de l'arrestation de ce dangereux terroriste, mais des images ont été prises à l'aéroport de Cointrin par un touriste. C'est la première fois que le... Salopard! Ils disent n'importe quoi au monde entier, mais on va leur faire payer tout ça, hein? Je comprends ta colère, mais on avait encore besoin de la télé. Pourquoi? Hein? Qu'est-ce que tu veux savoir de plus? Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Le moulin rouge. Rendez-vous là-bas ce soir. Cher, c'est un lieu de débauche. Perdition. La débauche? La perdition? Les mécréantes se déhanchent sur des musiques lascives. Tu déhanches? C'est un barapute. Eh ben justement,
Qui va nous chercher là-bas, hein? Qui? Ce soir, à 10h pile, rendez-vous au Moulin Rouge. J'aurai tout préparé. Comment tu vas t'y prendre? Vous posez beaucoup de questions, tous les deux. Est-ce que je vous pose des questions, moi, hein? Trois-Rivières, donne-moi du cash. On a retrouvé les motos un peu plus loin. Un peu de traces, ils ont dû changer de véhicule. Ça mène nulle part. À mon avis, vous devez... Je crois qu'à partir de maintenant, nous allons nous passer vos services. Dommage. Enfin, je comprends. J'ai vraiment été très impressionnée par vos méthodes, commandant. J'ai beaucoup appris en vous observant. Je tenais à vous le dire. Merci. On s'embrasse. Si vous voulez. Et c'est-à-dire que si vraiment vous vous sentiez prête à collaborer, oui. On pourrait... Peut-être... Vous avez raison. Je ne veux plus vous gêner. Au revoir. Quelle femme. Surtout, vous ne sortez pas d'ici avant le rendez-vous. Si on ne te voit pas ce soir à 22h, on fait un bain de sang. Bain de sang. Bonne idée. Alors, à ce soir. Qu'est-ce que tu fais, Shir? Tu vas sentir comme ça? Alors que tous les policiers de cette ville connaissent ton visage? Voilà. Comme ça, c'est plus sûr. T'as vu, hein, je me suis inspiré de la coupe tchétchène. Hein? Plus de jeu au code. La taille aussi, c'est plus souple. Regarde, bouge un peu. Tu vois? Viens. Plus personne pourra t'arrêter maintenant. T'es perdu? Tu cherches un bateau? Tu veux rentrer chez toi? Et je te cause, Fatima! T'as bouffé ta langue? Qu'est-ce qu'il nous fait? Mais cette cochonne, elle nous fait un strip! Mais vas-y, je ne dois pas pour nous! Allah, Akbar! Allah, Akbar! Tu m'as foutu une de ces trouilles. Enfin, Soraya, si vous venez bosser dans cette tenue, rentrez chez vous. Vous allez faire peur aux clients. Mais c'est pas Soraya. Juanito. Michel, il faut que vous m'aidez. J'en ai plus confiance à personne. Alors, on va dire ça aux flics, moi j'en ai rien à foutre. Non, ils m'ont torturé, ils voulaient me tuer. Lâche-moi, espèce. Non, attention. Maintenant, personne ne bouge. Sinon, je vais vraiment m'énerver. Et un petit château Pétrus, 82.
C'est pour moi. Ça me fait plaisir. Ah non, non, merci, je ne bois pas. Pardon, excuse-moi. De l'eau, un thé à la menthe? Rien. J'ai très faim, là. Alors laisse-moi faire, c'est la moindre des choses. Ça sent bon, hein? Tu vas te régaler, Juanito. Michel, s'il vous plaît, pour la dernière fois, je m'appelle Sadi. Sadi Hakimi. OK? Alors comme ça, la police te prend pour un terroriste, toi. Incroyable. Depuis ce matin, chaque fois que j'ai dit la vérité, c'est encore pire. Remarque, on peut les comprendre, avec ton ceinturon d'explosifs autour de la taille. Ah oui, ça aurait été étrange de se balader avec un ceinturon d'explosifs autour de la taille. Et j'ose même pas toucher. Chaque fois, ça fait des bruits. Peut-être qu'avec une pince, tu veux, je regarde. Allez, ça va pas, on va toucher à la poids. Écoute, Saïd. Sadi, c'est oui, Sadi. Oui. T'inquiète pas, ça va s'arranger. Allez, mange. Même si on n'est que dans les cuisines de l'hôtel Flamingo. Route de la Connais, on a du savoir-vivre, non? Harissa, Rassel Hanouf. Rassel Hanouf, allez, mange. Vous savez, Michel, jusqu'aujourd'hui, je faisais tout pour qu'on m'oublie. Pour qu'on me voie pas. J'en étais même arrivé à ne plus rien dire sur moi. Mes origines, mon pays, mon identité. Juanito de Salvador. Et qu'est-ce que ça m'a porté tout ça, hein? Bueno. Mais maintenant, c'est fini, hein? Terminé. Je suis musulman, je suis marocain. Mais oui, alors? Est-ce qu'on est tous des terroristes? Est-ce que tous les chrétiens font des croisades? Ou font péter les cinémas? La dernière fois que j'étais à la mosquée, c'était pour Eid al-Fitr. La fête de fin du ramadan. Ça, vous devrez voir ça, Michel. Mais c'est magnifique, c'est pas vrai, ça. Michel! الجيران جداد ضريفين العمر وخلينا خلينا نقول لك شوف مي انا مزوف واخا يجي شي واحد ويهضر معاك ويقول لك علي شي حاجه رانا قسما بالله ما داير شي حاجه ها راه صوتي حنضربني البرد ها كي داير اختي حميده لاباس عليها دوزي لي خوني فيصل نهضر معاها عنمن سويسريين انا سويسريين الجيران جداد سويسريين Évacuez-moi le périmètre. Où il est? Mais j'en sais rien. Il était là, je vous dis. Vous avez pris votre temps, hein. Embarquez-moi ça pour faux témoignage. Ah ben ça m'apprendra à aider la police. J'ai rien fait. Je vais porter le... Chef, c'est bizarre, vous avez un truc qui sonne. Mais... Quelle femme. Ah non, 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 pas Saint-Bazolo, s'il vous plaît. Là, là, je vais tout dire, vite tout dire. Le 11 septembre, c'était moi. La gare de Madrid, le métro de Londres, c'était encore moi. Mais rangez-moi ça, s'il vous plaît. Quelle est la suite de votre plan? Mais quel plan, moi? J'ai pas de plan, moi. Je les ai racontés n'importe quoi pour qu'elle me laisse partir, c'est tout. Avec un ceinturon d'explosif. Elles m'ont forcé. Vous croyez que ça m'amuse de me balader avec une bombe sur le ventre? La rançon? Hein? La rançon? Ah, non, c'est bon. Oui. Ils m'ont donné un rendez-vous à 10h au Ghtahon al-Hamra. Moulin rouge. Et si vous ne les arrêtez pas, ils ont promis un bain de sang. Voilà, j'ai tout dit là. Amenez-moi à la police. Je ne vous ramène nulle part. Je ne travaille pas pour la police. Moulin rouge, hein? Je ne suis pas sûre qu'on vous laisse rentrer. Ah.
Déshabillez-vous et enfilez ça. Vous savez, si on s'était croisés dans une autre occasion, ça aurait pu être différent entre nous, hein. Dépêchez-vous. Et jure-moi que vous n'allez pas faire du mal à ma famille. Personne n'en veut à votre famille. Ah ah. Et pourquoi ma mère tout d'un coup a des voisins suisses? Je ne comprends rien à ce que vous dites. Votre famille n'a rien à craindre. Hmm. Mettez le costume. Et je crois que vous faites une très très grosse erreur, là. Ça va pas marcher. Je peux pas. Là, je peux pas. Calmez-vous et avalez ça. C'est quoi ça? Avaler, ça va vous détendre. Ça va me détendre. Alors, la débauche, la perdition, c'est le jus de fruits. Tout s'est passé comme prévu? Pas de problème. Dans quelques jours, nous retrouvons l'Afghanistan, les entraînements, les cabarets, les camarades et la vie dans les grottes. Et la prière avec les chaussures. Je vais revenir, je me sens pas très bien là. Allez, je reviens. Raconte. Pense au tunnel là. Profite. Sort de sorbet? Pruneau, abricot, kiwi, citron. On va prendre la même chose que tantôt. Okay. Mettez-nous un peu de tout et après on verra. Merci. Mon frère de Trois-Rivières. Maintenant, j'aimerais se t'entendre. C'est quoi ton plan, mon frère? Les passeports, c'est sous contrôle. Ah ouais. Et ils sont où? Et ah, les passeports. Pas une, pas deux, mais trois. Trois rivières. Trois rivières. Le plein. Le plein? Oui, le plein. Faut savoir le plan. Pour la cuisine. Je m'occupe de cette table. Demain. Plutôt 45. On va prendre le train pour Zurich, mais on va pas aller à Zurich et le train non plus. Au même moment, le train explose. Panique générale. On profite pour rejoindre nos frères qui vont nous amener en France. À Marseille, un petit bateau. Un bateau de pêche d'Orient et tout. À Chypre. Hélicoptère. À Beyrouth,
il y aura nos frères les Libanais qui vont nous accueillir dès notre arrivée. Avec quoi? Un âne chacun. Puis un chasse-mouche? Hein? Chasse-mouche? Oui, un chasse-mouche. Qu'est-ce qui te prend? Il n'y a pas de chasse-mouche dans ton plat? Chasse-mouche? Ça, c'est pas Youssef, ça. Qu'est-ce que tu racontes? Ben, Youssef, il est mort. Son visage est sur toutes les télés au moment où je te parle. N'importe quoi. Qu'est-ce que tu dis, je suis croisé? Je suis pas un croisé, moi. Là, là, tu réponds à mes questions, OK? T'es qui, toi? Mais qu'est-ce que tu sais de l'opération Casablanca? Ça fait deux questions. Tu bouges un cheveu. Je vais tout péter, moi. Je répète ma question. Qu'est-ce que tu sais sur l'opération Casablanca? Réponds. Michel m'avait mis dans le frigo. Frigo? Bonsoir. Vous n'abandonnez jamais, vous. C'est... Vous êtes blessé? La planque. Hein? Où est la planque? Là-bas, en face. Je vais m'occuper de lui. Ça va, bah non. Vous donnez plaido, vous êtes ridicule. Il va nous massacrer. Yalla. Ouais.
faites, avancez. Tu peux pas. C'est le vertige. Mais non, vous n'avez pas le vertige. Vous êtes trop fatiguée, c'est tout. C'est de ma faute. Oui, c'était de votre faute qu'elle ait aidé de laisser traîner son arme comme ça. Tu l'as tué. Qui? Mon père. Hein? C'était mon anniversaire. J'avais 10 ans. Je jouais à Colamayar dans le jardin. Il était au bord de la piscine. J'ai foncé droit sur lui. Mais c'était décembre. La piscine était vide. Il s'est écrasé comme une grosse couche. C'est trop triste, mais vous étiez toute petite et vous ne l'avez pas fait exprès. En plus, s'il était là, votre père, elle vous pardonnera. Elle sera très très fière de vous, oui. Allez, hop, plus de vertige. Avancez. Mais si vous criez, c'est... Regarde pas vers le bas. Vous voulez pas finir comme votre père, quand même. Ah non, non, non. Pardon, je voulais dire, on va faire ça pour votre père, d'accord? C'est quoi votre prénom, en fait? Oui. Isako. Alors, écoutez-moi bien, Isako. On n'a pas passé cette journée ensemble pour finir comme ça. Vous êtes un super agent formidable. Et moi, je vous pardonne tout, tout, tout. Samba Solo, les pliages de papy, le corbeau, le renard, le chacal. Mais si vous ne bougez pas de ce mur, on va se faire massacrer. Alors là, s'il vous plaît, avancez. Ah, et voici maintenant, mesdames, cette superbe nouveauté signée Tupperware, le garde-banane. Pour protéger sa banane et qu'elle reste toujours bien au sec. Qu'est-ce que c'est? Où viens-tu là? Couvrir avec le petit capuchon. Hein. Le vol merveilleux. Vous appuyez sur le milieu, vous soulevez la languette et vous entendrez un léger... Il est fatigué, mon Rocky, avec tous ses shoppings. Maman, on pose les courses et on va quand même voir ce qui se passe dehors. Tu n'es plus en service, mon chéri. Tu es suspendu. Se débrouiller. Ils sont assez nombreux comme ça. Mets tes mains sur la tête, dernière sommation. Mais c'est pas lui, c'est l'autre. Je m'en fous, chacun son tour.
ni droite, ni gauche. La main guidée par... La main ? Assassino ! Sago. Oui, oui. Sago. Colin. Maher. Examen sévère qui donne lieu à une licence exclusive. Ce poisson en forme de globe peut faire sourire. Il n'en est pas moins banni par plus de 145 pays, dont la Suisse. L'importation illégale du poisson responsable de l'empoisonnement superficiel du secrétaire général fait actuellement l'objet d'une enquête sur le territoire suisse. Pour l'heure, le cuisinier Tamaki Seijun a été mis en examen. Arrivé in extremis de Genève par un avion affrété spécialement pour l'occasion, le secrétaire général est attendu avec les honneurs pour la célébration de l'anniversaire des jumelles de la présidente des États-Unis. Qu'est-ce qu'il fait là ? Japonais. C'est l'anniversaire des jumelles de la présidente. Un week-end de fête. C'était prévu ça avant ? Cette rencontre. C'est un anniversaire. C'est donc la même date chaque année. Après ce qu'il vient de subir, c'est courageux de sa part. Mais il aurait manqué ça pour rien au monde. Je n'aurais raté cela pour rien au monde et surtout pas pour une indigestion, a déclaré à la presse le japonais qui s'est vu promettre. La maison blanche. Vous connaissez vraiment pas ce japonais ? L'opération est un succès. Le japonais avait l'appétit. On pouvait pas mieux tomber. Le japonais connu pour être un gastronome. Le Daikon Maki, surtout, c'était compliqué. Lui, c'est Abdel Rani, l'éprouvette de l'islam. La clé est revenue entre les mains des infidèles. Et bientôt, elle ouvrira les portes de Dar al-Bayda. Dar al-Bayda. Dar al-Bayda. Il faut arrêter ça. Arrêter le japonais, c'est un piège. Qu'est-ce qui se passe ? Quel piège ? La clé qui ouvre les portes de la maison blanche, c'est lui. C'est le japonais. Lui ont fait manger quelque chose. La cuisine était pleine de chimie comme un laboratoire. Calmez-vous. Je ne comprends rien à ce que vous dites. Opération Casablanca, c'est pas Casablanca au Maroc. C'est la Maison Blanche à Washington. La Casablanca. La Maison Blanche. Dar al-Bayda en arabe. Vous comprenez ? Elle est empoisonnée. Elle est contaminée. Elle va mourir. Ils vont tous mourir. Sushi. J'ai mangé le sushi. J'ai crevé comme les Américains. Comme les Japonais. You move slightly to the left. Nah, to the right was better.
Un cochon d'Inde de plus mort dans le détroit de Gibraltar. Les tests effectués sur vous et le secrétaire général ont révélé la présence dans votre corps d'un dérivé extrêmement puissant, d'anthrax. Anthrax. Neutralisé in extremis avant que les capsules contenant le bacille mortel ne se soient dissoutes. Bacille mortel. Quelques minutes de plus et vous et le japonais seriez morts. Décomposés de l'intérieur. Ce qu'il veut dire, c'est que vous êtes hors de danger maintenant. Et le japonais? La présidente? La rencontre a été annulée à cause d'une petite fuite de gaz dans un chantier voisin. Rien, vraiment. Une petite fuite de gaz? Il ne s'est rien passé. C'est clair, monsieur Hakimi? Je ne fais plus confiance à personne. Vous m'avez traité comme un rat de laboratoire. C'était un cas de force majeure. Moi, je vais parler aux journalistes, là. Ce n'est pas une bonne idée. Peut-être ce n'est pas une bonne idée, mais c'est mon idée à moi. Je tenais à vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Il ne s'est rien passé? Il ne s'est rien passé. Mais, pour la villa Essaouira, j'ai changé d'avis. Miguelito, qu'est-ce qui se passe? Ça traîne. Tu doubles la cadence ou je te mets à la plonge, hein? J'en ai 50 dans la rue qui se bousculent pour ta place. C'est de mon mieux, patron. Allez, on s'active. Quand on m'entend parler les couilles au premier minaire que je trouve. La lettre me chie par toutes les trousses. Calice de tabarnak!
salsa dura, la que pase la me fuerte, la que pa' me la gente. Mm.